aura pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne déroberas pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras nulle chose qui appartienne à ton prochain. Écrite du doigt de Dieu. La lumière de Dieu émane de toi, Moïse. Ne t'agenouille pas devant moi, Josué. Ces tables de pierre ont reçu l'écriture de Dieu, ses 10 commandements. Un bruit de bataille monte du camp. Ce n'est pas un bruit de bataille. C'est le bruit d'un peuple en effervescence. Tu n'es pas digne de recevoir ces 10 commandements. Aaron. Ils sont tous contre toi, Moïse. Ils trouvent que tu te donnes trop d'importance. Et nous n'avons pas à obéir à tes commandements, nous sommes libres. Il n'y a pas de liberté sans loi. Laquelle, Moïse? La tienne? As-tu gravé ces tables pour devenir le prince d'Israël? Que ceux qui sont pour l'Éternel, que ceux-là viennent à moi. Avait voulu. Il a dû donner la terre où devait couler le miel et le lait. Moi, c'est un dieu d'or que je vous donne. Venez avec moi. Suivez-moi. Blasphémateur, idolâtre, pour ceci, vous allez connaître l'amertume et la honte. En ce jour, Dieu a écrit pour vous ses lois de la vie, de la mort, du bien et du mal.
ceux qui ne vivront pas par la loi périront par la loi. La colère de Dieu s'était abattue sur Israël. Pour éprouver la foi de son peuple en ses commandements, il le fit errer 40 ans dans le désert, jusqu'à ce que toute la génération de ceux qui avaient péché à sa face se fût éteinte. Malgré les ans, la vigueur de Moïse n'était pas épuisée. Il marcha des plaines de Moab jusqu'à la montagne de Nebo.